Coucou, Séance Féminin Masculin 2 et on est sur Robin Hood, la légende de Sherwood, qui est le tout premier jeu auquel j'ai joué sur un ordinateur, qui était un Windows 98 et qui était même pas à la famille, c'était à ma sœur en plus. Bon, c'est un jeu type stratégie, vous avez des maps différentes avec des missions à faire dessus et le but c'est de pas vous faire choper par les ennemis, quoi. Voilà. Ou alors d'éviter de vous faire le plus remarquer. Et en fait, je voulais vous prendre dans ce jeu pour une certaine quête qui est de sauver Marianne de son mariage avec le neveu du shérif de Nottingham. Et donc, du coup, j'avais envie qu'on le fasse ensemble parce que la map en question est vraiment géniale. Donc, chaque personnage, vous avez vu, a ses propres caractéristiques. Genre, Frère Toc, il peut foutre des nids-guêpes sur les gens. Petit Jean, il peut siffler. Robin, il peut tirer à l'arc et lâcher des bourses pour que les soldats se battent entre eux et qu'ils s'assomment entre eux. Des trucs comme ça. Donc voilà, chaque personnage a ses caractéristiques. Au pire, je vous expliquerai les fonctionnements du jeu une fois dans la mission. Donc la ville d'York est prête à fêter les noces de Gisborne et Marianne. De nombreux soldats sont dans la place. Ah oui, alors, en parlant des soldats, justement, vous allez voir des couleurs différentes chez les soldats. En fait, selon la couleur présentée, les soldats sont faibles ou forts. Les soldats les plus faibles sont en marron, il me semble. Après, il y a les soldats orange, rouge et noir. Et donc là, je crois qu'en fait, c'est infesté ici de soldats rouges. Et même certains, je crois qu'ici c'est des soldats noirs. Donc voilà, alors j'adore cette map parce qu'elle est immense. Elle est vraiment immense. Et c'est une des. Bah, je crois que c'est la seule grande map du jeu, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Si jamais je me fais défoncer la tronche, personne ne peut me guérir. J'aurais dû prendre un guérisseur avec moi parce que là c'est vrai que c'est débile quoi. J'ai fait une grosse connerie, je pense. Ouais, vous savez quoi? Je vais recharger la partie et je vais me prendre. Ouais, je vais recharger la partie, à tout de suite. Alors. En fait, je voulais prendre le mec avec les herbes médicinales là, et en fait, je me suis rendu compte qu'il me fallait au moins une personne pour ligoter les gens, parce que j'ai pas envie de tuer tout le monde, parce qu'en fait, si vous tuez trop d'ennemis dans ce jeu, vous aurez moins de compagnons qui rejoindront votre cause, et donc du coup, ça fera moins de compagnons à Sherwood. Donc du coup, il faut que j'assomme les personnes et que je les ligote, et après, je les fais rentrer dans les portes ici, là. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, quand je fais Shift, on voit les carrés bleus, ce sont les portes. Et les espaces verts, c'est les endroits que Robin et Will Scarlet, son cousin, peuvent accéder. Il n'y a qu'eux qui peuvent accéder ici. Voilà. Alors. Attendez. En faisant Alt, je peux voir le cône de vision de la personne. Si c'est point le Bon, Robert. il m'a vu, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Petit Jean, grouille-toi. Alors oui, je vais aussi sûrement donner de l'argent aux mendiants. Comme vous l'avez sûrement vu, il y a des ombres sur la carte. Ce sont des gens et on ne sait pas si ce sont des ennemis ou si ce sont des citoyens. Et donc des fois les mendiants, ils vous dévoilent certains endroits de la carte et ça vous permet de pouvoir savoir ce qui va vous attendre quoi. C'est quand même bien en pratique. Comment je vais me débrouiller? J'ai bien envie d'aller faire le drapeau. Parce qu'après, j'aurai plus qu'à passer par là. Il y aura moins de monde. Ouais, parce que si j'attaque directement ici, la chapelle, t'as plein de gens qui vont arriver par ici. Ils sont vraiment costauds ici, les ennemis. Alors, je vais siffler. Comme ça va faire venir tout le monde. Ah non, oui, c'est des gamins, eux. Ah bon? C'est des gamins, ce groupe, je crois. Ah oui, non, c'est bien ce que je pensais qu'ils étaient là, eux. Hop, on va appeler les autres. Voilà, tout le monde va venir pour me fighter avec tout le monde. Je vais te montrer, moi! Ah bah, en plus, ils viennent là. Bah, c'est très bien, ça. Très bien, comme ça, après, je pourrais aller les voir là. Ah bah, super, en plus, comme ça, personne ne nous Viens voit. là, ça Ah oui, alors, vous avez dû voir à l'écran que je fais des sortes ça de fait trucs mal! orange. En fait, c'est les gestes que je fais pour me battre. Bah oui, je suis con, depuis tout à l'heure, j'ai. Je vous ai pas montré. Bon, c'est quand tu veux, tu sors là. Ils sont cons ou quoi? C'est vrai qu'ils sont un peu débiles dans ce jeu, les ennemis quand même. Hein. L'intelligence artificielle est pas hyper. Voilà. Oula, je crois qu'il y en a que j'ai tué, ce qu'on a entendu. Oh. C'est vrai que ça va être un peu chiant parce que.
tous les rentrer un par un, c'est vrai que ça va être assez chiant, mais bon. Alors c'est vrai que vous pouvez tuer tout le monde, hein, mais bon, sachant que après, si jamais je... Bah, comme je vais aller faire le drapeau, après les soldats, ils vont un petit peu se déployer dans la ville, donc s'ils voient des gens assommés, ils vont les réveiller et ça va encore me faire des ennemis à combattre. Donc c'est pas trop le but, quoi. Sauf si un ennemi rentre dans ces maisons, bah ils vont rester ligotés jusqu'à la fin de votre mission, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ils sont ligotés à vie, sauf si un ennemi rentre, il va les délivrer, mais voilà, il n'y aura pas de problème sinon. Ah oui, merde, j'aurais dû parler au mendiant qui est là-bas. Attendez, c'est ce que je vais faire. Robin, ramène ton cul, s'il te plaît. Prends cette bourse, mon brave. Donc il va nous foutre un parchemin. Merci sur la carte. Donc là, le parchemin, voilà, il est là. Et je crois qu'il va nous dévoiler les gens, tous les gens qui sont ici. Vous allez voir qu'il y a plein de monde et des gens dangereux. Ah putain, ouais. Oh, il y a deux gardes noirs. Ah, je sais bien ce que je pensais que c'était la merde. Oh mon dieu, j'avais oublié qu'il y avait des gardes noirs. Ah ouais. Ah oui, non, c'est la merde. Ah, j'avais oublié. Ah ouais, c'est chaud cette mission, j'avais complètement oublié. Oh mon dieu. Ouais, bah alors là, on va faire le drapeau, hein. Putain, alors vous voyez là, ça c'est des chevaliers, là. Et les chevaliers, ils sont très durs à battre. Ce genre de mec, celui que j'ai assommé tout à l'heure d'ailleurs, et ce genre de nana, voilà, c'est deux skins. Ils préviennent les soldats quand il y a un problème et ils nous balancent. Donc il faut éviter de se faire remarquer devant eux, sinon ils foutent la merde. Il y a ce con ici. Ouais, mais lui, il va me foutre la merde, justement. À me voir passer comme ça, j'ai envie de lui casser la gueule. Hop, coup de poing dans ta tronche. Je rentre à la maison. Oh non! Le connard! Vite, casse-lui la gueule. Garde. Et ben voilà. On ne bouge plus. Putain! Je rentre à la maison. Tu n'as aucune chance. Oh. Putain, j'ai mal géré là. Alors, vous voyez, quand il y a ce signe, ça veut dire qu'on peut lui dérober son argent. Allez! Ouais! Oh merde! Elle a prévenu les gardes, cette connasse! Putain, elle a prévenu les gardes, cette... Pouf! Vite, 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 avant que l'autre il arrive! Il y en avait un qui était là. Oh là là, mon dieu! Ah là 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 là, je suis dans la merde! Non, il va prévenir les gens! Non, il va prévenir ceux qui sont là! Oh merde! Je pense, non? Ah là 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 là! Oh non, il va prévenir tout le monde. Ça va être la merde. Ah mais non, mais remarque, à la limite, c'est pratique. Ça évitera que j'aille au drapeau. Mais non, parce que ce qui est bien, c'est qu'avec le drapeau, tout le monde allait se barrer, quoi. Bande d'incapables. Bah, ils ont l'air de s'en foutre, alors. C'est quoi, ce bordel? Vite, on va aller là. Oh, vous avez vu? Oh non, je suis dans la merde. Est-ce qu'ils m'ont vu partir? Je crois qu'ils m'ont vu. Non? Non, il y a des points d'interrogation, donc ils m'ont pas vu. Si, je crois que lui, il m'a vu. Ah non. Oh là 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 là, j'avais pas prévu ça, je suis dans la merde. Bah, peut-être que, comme ils vont voir aucun corps dehors, peut-être qu'ils vont revenir à leur place après. Je suis pas sûr, mais bon. Ils sont revenus à leur place, j'ai l'impression, là, non? Ouais, vous voyez, ils sont revenus à leur place. Bon, ça va. Ouais, ils sont pas non plus trop chiants. Bah, disons que ils voient que l'autre connasse, elle a fait « Ah, au secours !» Ils ont vu qu'il y avait rien, ils se sont remis à leur place. Bon, c'est très bien. J'ai eu peur, là, hein. Bah, vous voyez, en fait, j'ai pas besoin d'un guérisseur. Si je la joue vraiment mode fufu, y a pas besoin de guérisseur. Ça, vous allez pas trop combattre. Ah non, j'aurais dû passer par là. Oui, comme ça, ça va pas foutre la merde pour les gens ici. Ah oui, non, non, en fait, faut que je passe par là. Faut que je passe par là parce que je vais. Vous allez voir, je vais passer par les remparts. Robin, il peut monter par ici. Et après, il pourra. Ouais. Donc, il faut absolument que je passe par là. Ouais. Alors, faut que j'attende qu'eux ils se cassent et après je vais passer par là. Je vais faire le tour pour arriver ici. Quel con! Mais quel con! J'étais à la limite, à la base, je voulais être ici. J'ai peur que lui il me voit. Mais oui, je devais déclencher le drapeau. Voilà, faut que je déclenche le drapeau, tout le monde va venir comme ça. Je suis con. Pff. Alors après, je vais faire une quick action qui va être de venir ici. Une quick action, ça veut dire que c'est une action que vous préparez à l'avance. Voilà. Allez, hop, j'ai déclenché le drapeau, je peux aller de l'autre côté. Voilà. L'emblème, l'oriflamme de Richard flotte désormais sur le château d'York. L'alerte est donnée, il voudrait mieux se mettre à l'abri. Ouais,
mais faut que je passe par là, moi. Qu'est-ce que c'est? Alerte! Alerte! Sire! Qui a-t-il? Sire, là-bas, sire! Ahem! Tous les points d'interrogation en mode Quoi? Donc Gisborne, lui là, il est l'orage, c'est-à-dire qu'il est pas content, mais elle est contente, donc elle est un soleil, elle se dit ah super, je vais pouvoir me marier, c'est cool. Ah ouais, donc tout, ah oui, tout le monde vire, ah ouais. Oh, arrête de dire de la merde, ma pauvre. Allez, hop, voilà, lui c'est bon. Voilà. Voilà, tout le monde vient là, c'est bon. J'ai envie de me faire les gardes qui sont là, parce que sinon c'est la merde. Hop, voilà, je vais le tuer. Voilà, il va venir, du coup je vais pouvoir le tuer aussi. Non? Ah si, quand même. Très bien, je vais me mettre ici, comme ça dès qu'ils vont arriver les autres. Hop, je vais tuer l'archer parce qu'il me gonfle l'archer. Ils sont chiants les archers à battre. Allez, 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 allez. Voilà, très bien. Faut que tout le monde vienne là, vite. Planquez-vous là. Allez Robin, prends ton... prends des flèches là. Et là, il va falloir qu'ils se battent contre Guy Bourne, là, je sais pas quoi. Et après, vas-y. Robin des Bois, nous nous retrouvons face à face enfin. En garde, Manon ! J'offrirai ta tête en cadeau de mariage à la noble Marianne. Vous vous trompez de cérémonie, Gisborne. Ce n'est point le jour de vos noces, mais celui de votre enterrement. Et Marianne qui se planque derrière en mode Youhou. Cet homme tout de suite. Elle est à moi. À moi. Je te revaudrai cette cicatrice. Je te revaudrai cette cicatrice. Putain, il perd pas de la vie ce con. C'est tout. Ce n'est qu'une écorchure. Sois maudit. Oh oui. Vas-y Marianne, remets ton cul s'il te plaît. Robin, êtes-vous blessé? Ce ne sont que des égratignures. Rien de bien fâcheux. Tant mieux. Vite Robin, il nous faut quitter la ville avant que les gardes ne nous découvrent. Rallions Sherwood. Je ne puis plus rester à Nottingham. Le danger est trop grand. Voilà une heureuse idée. Vous verrez, cela va vous plaire. Nous avons de jolies cabanes au perché. Bon, je reconnais que la décoration laisse un peu à désirer, mais j'enverrai quelqu'un pour voler des rideaux, quelques coussins. Robin, allons. Bon, bon, voilà. Je trouve que les doublages sont vraiment sympas, par contre. On sent que les doubleurs, ils se... Voilà, ils aiment bien leur rôle. Enfin, je trouve que c'est sympa. Hop, allez. Par contre, par où je vais pouvoir passer, du coup, maintenant? Bah, par là, hein. On se casse. Oh, oh mon dieu, ils m'attendent là, je suis dans la merde. Ah non, c'était pas une bonne idée le drapeau. Remarque, ah bah je peux passer par là si je veux. Ah mais il y a du monde là aussi, merde. Je pourrais passer par là, limite en courant comme une grosse merde. Je pourrais essayer de gruger. J'ai pas récupéré tout le pognon, mais c'est pas très grave, à la limite ça me gêne pas. Ouais, allez, on va essayer de gruger en passant par là. Allez, on va voir. J'y crois pas trop, mais bon. Quelle bande de cons passer par là aussi, sérieusement. Allez, vous battez pas, venez par là, vite. Normalement, ça devrait être bon, là. Voilà, voilà, j'ai grugé, hein. Mission gagnée, les risques que court Marianne sont trop grands. Robin n'a qu'une solution, la cacher à Sherwood. Ouais, il veut se la taper, surtout. Alors, vous avez vu, vie épargnée, 80 sur 129. Du coup, j'ai 5 nouveaux compagnons. Ouais, c'est pas mal. Bon bah écoutez, je vous laisse sur ça, et j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était très sympa de le faire avec vous, j'étais bien content. Enfin je trouve vraiment qu'il vaut le coup quoi, c'est vraiment un jeu très sympa, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille, il est très sympa. Voilà, donc je vous laisse,
Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous!